Salut à tous, c'est Kishnifu. Et là vous avez un Kishnifu content, mais un Kishnifu aussi très frustré. Ouais, parce que alors pour faire marcher ce jeu, enfin pas pour le faire marcher, mais alors pour que ça capture correctement, je m'en suis vu et ça dure depuis... Enfin ça a commencé plutôt depuis bien 3 mois quand même hein, déjà. Hein. Et oui, j'ai même pas commencé cette odyssée que j'ai déjà des péripéties, en fait, c'est marrant, hein. Ouais, non, en fait, j'ai eu des difficultés pour le capturer, parce qu'en fait, déjà, quand je l'avais lancé, il y avait des... Bah, j'avais fait mon intro et tout, voilà, j'étais bien content. Et puis, je le lance, et puis je vois plein de petits carrés, des pixels en haut de l'écran, de mon écran, pas de la capture. En haut de mon écran, mais bon, j'allais pas faire le jeu comme ça, quoi, ça allait être horrible. Et puis je vois tout cet amas de pixels là. Et je me dis, mais putain, mais c'est pas possible, il est bugué le jeu ou quoi? Parce qu'en fait, je le fais tourner sur ma PS2. Et puis je voulais pas ramener ma PS1 rien que pour ça et tout. Donc bon. Alors j'ai essayé de trifouiller un peu. Et il s'est avéré qu'en trifouillant, ça allait mieux. D'ailleurs, j'ai dû trifouiller encore une fois pour essayer de. de commencer cette vidéo, sinon ça n'allait pas marcher. D'ailleurs ça a bouffé un peu du début de l'intro. Je sais pas comment je vais me débrouiller, soit je vais mettre un espèce de fondu tout moche au début, soit je recapturerai l'intro et puis je la collerai, enfin bref. Donc j'ai eu ce problème là, sauf que ça s'est réglé, mais il y en a eu d'autres, et oui, notamment la carte mémoire. Parce que, comme vous le savez bien, enfin, comme vous le savez bien, remarque, je sais pas du tout, hein, vous savez bien que si vous connaissez le jeu, en fait, il faut une carte mémoire, mais spéciale PlayStation, je sais pas trop quoi, et puis, faut que ce soit... Parce que je crois qu'en fait, on peut, enfin, après, peut-être que je me trompe, mais on peut peut-être sauvegarder un jeu PS1 sur une carte mémoire PS2. Ça, j'en suis vraiment pas sûr, mais en tout cas, enfin, je sais pas, je me semblais pas avoir eu de problème avec d'autres jeux, et avec celui-ci, bah, bim. Le problème, obligé d'aller chercher une autre carte mémoire chez mes parents et tout ça, une carte mémoire PS1, la vieille carte mémoire là. Apparemment celle-ci elle marche, je l'ai même pas encore testée, donc franchement, voilà. Donc en fait, c'est tout, pour vous dire, ça a failli finir sur émulateur. Hein, ouais. Mais même avant ça, avant que j'ai ces problèmes-là, je voulais le faire sur PS3, parce que ma PS3 c'est la toute première, elle marche, elle fait tourner les jeux PS1. Et puis bon, t'as des cartes mémoire virtuelles de PlayStation 1, donc ça aurait été super bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut une DualShock. Mais vous allez dire, mais oui, mais sur la PlayStation 3, c'est des DualShock, c'est des DualShock 3. Et oui, mais il reconnaît pas. En plus, tu vas dans les options de la manette, tu mets bien, tu passes de analogue à... Attends, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est numérique. Oui, parce qu'elles sont en numérique, en fait, les manettes PlayStation 3. Et t'as une option qui te permet de les faire détecter en tant que DualShock. Mais non, 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 Apescape, il aime pas. Non, non, lui, il lui faut une bonne vieille manette avec fil et qui soit analogue, enfin, qui est l'espèce d'allumant, là, en bas, où c'est marqué analogue et tout. Non, non, sinon, elle est pas contente. Voilà, donc... qu'est-ce que je m'en suis vu jusque-là, poyoyo. Alors du coup, en fait, quand je faisais une nouvelle partie, c'est ce que je viens de faire. Eh bien, non, c'était quand je faisais charger partie, en fait, dommage. Donc en fait, là, on va profiter plutôt de la cinématique d'intro, et puis je vous dirai un peu plus de détails plus tard.
Dis Spike, crois-tu que le professeur a fini sa machine? Il a dit très bientôt. On pourra peut-être l'utiliser aujourd'hui? Si oui, je l'ai laissé en premier. C'est pas juste, Spike. Et attends! Bonjour, professeur. Spike! Buzz! Spike! Non! Courez, vous deux! Ça, ça vient ici, et dès que ça vient ici, ça se place là. Donc, tout ça se met comme ça. Ça y est, Cathy, la machine du temps est prête. Ce n'est pas le moment. Sympa. Je m'en souvenais plus du tout de cette cinématique d'intro. Pas besoin de configurer les langues en français et tout, c'est déjà tout fait. Parfait. J'avais peur pour ça. Une chose horrible est arrivée. L'accident a fait dériver jusqu'à l'ère préhistorique, à l'époque des dinosaures. De plus, les singes aussi ont dérivé vers différentes époques. Et comment tu fais pour communiquer avec moi? L'histoire de la Terre sera bouleversée. Spike, je compte sur toi pour accomplir cette mission. Deux de mes inventions sont à ta disposition pour attraper autant de singes que possible. Capture les singes à l'aide du filet. Si tu es en danger, contre-attaque avec le bâton. Il est très utile. La tâche est difficile, mais j'ai confiance en toi. Tu peux le faire. À mon avis, il doit avoir un moyen pour communiquer à travers le temps. Oh yeah, cette petite musique là. Oh là là, qu'est-ce que ça me rappelle comme plein de souvenirs ça. Parce que je vous ai pas encore raconté, hein. Mais là, en fait, je suis en train de redécouvrir complètement, hein. Je vous expliquerai un peu plus. Je profite, c'est pour ça que je dis pas grand-chose. Voilà, voilà, donc là, on va être un peu plus tranquille. On va retâter un petit peu du... Ouh, j'ai cru que j'allais tomber déjà. Ça allait être épique pour commencer. Voilà, bon, rien de mieux. Du kishnifou, du kishnifail. Alors, incline le joystick droit et balance le bâton paralysant dans n'importe quelle direction. Bats tes ennemis en balançant et en faisant tourner le bâton paralysant. Tu peux faire tomber les singes. Appuie sur R1 pour sauter. Non, je rigole. Appuie sur R1 pour sauter. Balance le bâton. Alors, R1 pour sauter. R1 pour sauter? Waouh! Ah oui, c'est vrai, parce que les armes, en fait, sont attribuées aux 4 touches de la manette. Oh, je me souvenais plus du tout que c'était R1. Putain, je vais me confondre avec Mirror Edge. Parce qu'en fait, je l'avais acheté il y a pas longtemps. Et je crois que c'est L1 pour sauter dans Mirror Edge. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que ça avait des contrôles aussi assez peu communs. Alors, balance le bâton à boss. Avec le joystick droit, saute avec R1, bonne chance. D'accord. J'ai l'impression que les informations sont données un petit peu... au hasard, saute, balance le bâton, il n'y a pas de logique dans la phrase, enfin je sais pas, ou à moins que ce soit moi qui ai mal lu. D'accord, alors, ok, ah oui, non, je les sélectionne. Ah oui, voilà, je les sélectionne, mais je les utilise avec le... Oh merde, j'ai déjà fait toucher, un biscuit en moins. Avec le joystick droit, et ben voilà, je récupère mon biscuit, ça c'est parfait. Bon alors, que je vous explique un petit peu ce que c'est que ce jeu pour moi. Bon alors, pour ceux qui connaissent pas, Ape Escape, c'est Ape Escape ou Ape Escape ou Ape Escape, je sais pas comment le dire. Moi quand j'étais petit, je disais Ape Escape, voilà. Mais bon, on va le dire un petit peu à l'anglais, on va dire Ape Escape, voilà, Ape Escape, ça c'est bon ça. Bon, et ben en fait, ce jeu, pour faire plus court,
C'est un jeu, mais de mon enfance, de mon... Je sais pas en fait par où commencer. Parce que j'y ai pas énormément joué, mais il fait partie d'un des plus gros souvenirs du jeu vidéo de la PlayStation 1 pour moi. Parce que c'était un jeu donc, que j'avais fait avec des amis. C'était un soir de Nouvel An, il me semble. Et on y avait joué de 20h jusqu'à 7h du matin. Il me semble. J'arrête pas de me faire toucher déjà, c'est génial. Ouais, jusqu'à 7h du matin et on n'avait pas décroché. Alors lui, j'essaie de l'avoir. Est-ce qu'il faut que je l'assomme d'abord ou non? Ils sont pas bien compliqués au début. Oh si, j'ai peut-être l'assommé quand même. Allez, tiens. Je t'ai eu. Je m'en souvenais de ça. Ah là 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 là. Ouais, bon, donc ouais, c'est... Franchement, j'ai pas passé, comme je vous dis, d'énormes moments, beaucoup de moments, mais un seul grand moment. Voilà, c'est ça. L2. Ah oui, d'accord, on peut se mettre en vue à la première personne. Ouais, j'ai passé un seul gros moment, et ce gros moment-là, il m'a marqué bah, à vie. Mais j'avais pas terminé le jeu. On s'y était tous mis dessus, on faisait une vie chacun, je crois. Mais j'avais pas pour autant... Pff, je le loue. J'avais pas pour autant terminé le jeu, on en était allé loin, je me souviens, putain, on avait été vraiment loin. Mais jamais je l'avais terminé. Alors, vous vous doutez bien que le but de cette vidéo, et devrais-je dire de cette odyssée du coup, vise à le terminer. Mais, vous vous en doutez bien, je vais pas passer ma journée, ma nuit et ma journée d'après à essayer de terminer le jeu d'une traite. Non, non, ça s'appelle une odyssée, mais en quelque sorte, c'est un let's play. C'est-à-dire que, voilà, bon, je vais faire une partie égale une heure. Voilà, on va faire ça. Chaque partie fera une heure. Et je les ferai, je ferai les vidéos quand je pourrai. Voilà. Et donc, je me permettrai d'arrêter, de faire des sauvegardes, etc., etc. Voilà, c'est simplement pour le terminer. Et plutôt que de le terminer seul, eh ben, j'ai décidé de le terminer avec vous. Alors... Ça risque d'être très long. Je risque de prendre mon temps, mais à fond. Ce sont des vidéos qui risquent d'être ennuyantes au possible. Mais pour tout vous dire, je fais pas du tout ça pour les vues, ni les autres vidéos d'ailleurs. Enfin, je veux dire, un petit peu quand même. Je veux dire, je veux partager, je veux pouvoir voilà, que des gens prennent plaisir à regarder mes vidéos. Mais là, n'est pas la question. Là, ce que je veux dire, c'est que ça va pas être vraiment une vidéo, ça va pas être vraiment des vidéos où je vais m'attendre à avoir plein de commentaires, plein de vues et tout. Non, non, moi c'est simplement déjà bah, pour terminer enfin ce jeu 10 ans après. Je dirais ouais, 10 ans après presque. Parce que là, je vais sur mes 22 ans. Ah ouais, hein. Ah, 12 ans, ça me paraît pas improbable. Hein. Ah ouais, ouais, donc c'est pratiquement 10 ans après que je me remets à ce jeu. Ah, franchement, ça me pique pas les yeux. Bon, les graphismes, un peu normal quand même, mais... Mais voilà. J'ai envie de le terminer. Ça me tracassait quand même. Et c'est un jeu qui est pas mal reconnu, d'après ce que je sais, qui a eu du succès à son époque. Même si on n'en reparle pas tant que ça. Mais malgré tout, bah, il m'est resté en tête et j'avais énormément aimé ce jeu. Et me dire que je l'avais pas terminé, bah, voilà. Je me dis qu'il fallait peut-être que je m'y mette un jour, comme je l'avais encore, comme il marche encore. Et ben voilà, ça y est, on est parti les amis, on est parti pour cette longue odyssée. Ah oui, je pense qu'elle sera... Imaginez, bon, j'étais petit, et puis bon, peut-être que ceux avec qui je jouais, ils étaient pas bien forts, non, je sais pas. Mais en tout cas, on y avait passé beaucoup de temps, comme je vous dis, on avait dû passer plus de 10 heures d'affilée sur le jeu. Alors si chaque partie fait une heure, je vous laisse compter le nombre de vidéos qu'il y aura, surtout que je vais prendre mon temps. Alors là... Je vais peut-être pas dire grand-chose, je vais peut-être pas aller vite, mais moi c'est pour mon propre plaisir, c'est pour finir le jeu. Voilà, pour voir un petit peu bah, la fin. Même pas, je me suis même pas spoilé la fin. Alors, bienvenue à la station temporelle. Tout ce que tu y trouveras t'aidera dans ta mission. Voici la salle de téléportation en face de toi. L'interrupteur rond permet de sélectionner le niveau. Derrière toi, l'interrupteur rouge permet de charger et de sauvegarder les données. Ouais, c'est ce que je vais faire, je crois que je vais aller sauvegarder tout de suite pour voir si ça marche. Et si ça marche pas, on est dans la mouise. Non, si ça marche pas,
pense que ça va me saouler, je vais arrêter, je vais couper la vidéo. Et peut-être qu'on se retrouvera encore dans 3 mois après, et puis je vous dirai, bah voilà, on continue, et cette fois je suis sur émulateur. Voilà, comme ça aucun souci. Non, voilà. Bon, c'est ce que je vais essayer tout de suite après, je vais essayer de sauvegarder. Alors, lis tous les messages de la boîte aux lettres, tu apprendras plein de choses. Donc c'est un jeu où on a beaucoup de gadgets, où on va... Le but, c'est de capturer les singes, voilà, qui ont envahi le monde et qui nous ont fait voyager à travers le temps. Et donc, il faut que je les capture, voilà, pour ramener la paix. Et puis, je sais plus comment il s'appelle, le plus grand méchant, c'est Spectre, non ? Oh, c'est quelque chose dans le genre. Il a la classe quand même, ce monstre. Hein. Enfin, ce monstre, ce singe dominant. Enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon des animaux, c'est comme ça qu'ils parlent, les animaux. Non, non. Mais, enfin, oui, le maître des singes, en fait. Ouais, il me semble, c'est Spectre. Je dis peut-être des conneries. En tout cas, je trouve qu'il a vraiment la classe. Marche sur l'interrupteur pour sauvegarder ta partie et lire les infos sur les singes. Il y a aussi un coin jeu et une zone d'entraînement. Va donc y faire un tour. Eh ben, pourquoi pas. On ira, hein. Il me semble que c'est... Les salles d'entraînement, il me semble que c'est des salles où il y a même de l'eau... Ou alors c'est que quelquefois. Et c'est des espèces de salles... Enfin, là, je vous parle en tant que souvenir d'il y a 10 ans. Hein, qui peuvent faire penser à des salles de portal. Mais alors là... Alors là, me jetez pas de tomates, s'il vous plaît. C'est... Alors, bon. On va essayer de sauvegarder. Je croise les doigts. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Données sur les singes... Ah oui, d'accord, c'est le livre dont il nous parlait, qu'on pouvait en apprendre un peu plus. Attention. Voilà, alors déjà, quand je mettais une carte mémoire PS2, ça me mettait même pas ça. Ça me disait d'insérer une carte mémoire dans la fente. Et là, ben, écoutez, j'ai l'impression que ça peut marcher. Sauvegarde en cours. Attention. Ça met un peu longtemps et c'est bon. 8%. 8%. Déjà ? Ou alors c'est que le niveau, non ? Waouh, 8%. Faut combien ? Faut 800% pour finir le jeu ? Non, ok, bah 8%. Qu'est-ce que j'ai pu louper dans le niveau ? Ouais, non, 8%. Ouais, bon, enfin bref, on verra bien. Alors, données sur les singes, on va voir un petit peu, donc 3. On prend notre temps, hein, oulala, hein. Allez vous chercher à manger, un café, du lait, tout ce que vous voulez. Là, c'est détente et je fais ce que je veux avec mes cheveux. D'accord, alors attends. Ah, mais d'accord, mais c'est simplement ce que j'ai... Ah, donné, rond. Voilà. Blair, niveau du singe, 1. Ah oui, voilà, donc c'est qu'ils ont des niveaux. Il y en a qui sont plus rapides. Il y en a qui attaquent. Il y en a qui attaquent. Ça, je ne me souvenais pas, ça. Et merde, il y a le son de ma capture qui a merdé, là. Toujours au bout de 20 minutes, il merde. Attendez, je vais essayer de régler le son, je sais pas comment je vais m'y prendre. Est-ce que si je remets le casque, non, ça marche pas. Bon, eh ben, je vais devoir aller connecter mon casque à la télé, parce que bon, j'aimerais bien avoir le son pendant que je joue. Alors, je sais pas si le câble va être assez long, parce que je suis assez loin de ma télé. Bon, attendez, je me lève, je coupe, je couperai peut-être. Alors... Bon, du coup, j'ai finalement décidé de relancer la capture. Parce que de 1, le fil était trop court. Décidément, c'est une calamité, hein, cette odyssée. Putain. Ouais, donc le câble était beaucoup trop court pour me rallier à la télé. Et puis, il y avait un espèce de son dégueulasse dans les écouteurs. Je crois que c'est vivement que je change de télé. Oulololo. Je crois que ça va me faire un bien, mais de dingue. Bref, on continue. J'espère que cette fois-là, le son va pas couper. S'il coupe, eh ben tant pis. Je recouperai la capture, je la relancerai. Rien à foutre. Bref, je suis frustré. Alors, attaque. Donc, j'étais en train d'halluciner sur le fait que les singes attaquent. Oui, oui. Alors, apparemment, donc, il y en a qui attaquent. Hein. Et... Alerte, je sais pas ce que ça peut être. Est-ce que c'est peut-être en fait la distance à laquelle il nous voit. C'est-à-dire qu'un singe, il peut être tranquille comme ça, il fait sa petite vie.
Et il peut peut-être nous voir de loin et commencer à fuir dès qu'on est à l'approche. Bon, je sais pas. Je suppose qu'ils sont un peu tous pareils. Tiens, les photos, ils sont différentes, non? Fruity. Ah, ils ont chacun un nom. Ah ouais, avec le remplacement en plus et tout. Oh! Ok, carrément. Attends, viens là, micro, viens là. Voilà, voilà, d'accord. Bon, retour, c'est start. Les touches sont quand même assez bizarres, hein, comparé d'autres jeux, hein. Start pour faire retour, rond pour les données. Là, retour, il y a carré, il y a triangle. Bon, triangle, ça va. Même si depuis la PS3, ça s'est changé en rond pour revenir en arrière. Bref, alors. Donc là, c'est pour sélectionner les niveaux. Alors oui, donc la caméra. Si je veux bouger la caméra. D'accord, ah, oui. Ah ouais, si je regarde autour de moi, c'est comme ça, quoi. Sinon, en fait, vous allez souvent me voir faire ça. Parce que ça, c'est l'habitude, avec l'analogue droit, de tourner la caméra. Et là, il s'avère que c'est pour donner un coup de filet ou un coup d'épée. Alors, du coup, pour la caméra, ça va être assez... Voilà. Ah, d'accord, L1 pour se remettre devant, ah, ça, c'est pas mal. Mais par contre, on peut pas la bouger de haut en bas. Alors, j'ai remarqué... Ah oui, si on fait un... D'accord, plus on appuie longtemps sur la touche, plus il fait un grand saut... le R1, bah en fait R1 et R2 c'est pour le saut. Hop, là je suppose que c'est l'entraînement ici. Je sais plus. Parce qu'après ça c'est pour sélectionner les niveaux. Il saute. Ah, point d'interrogation, ça c'est pour les données. Non, je sais pas, on va voir. Comme j'ai dit, je prends mon temps. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Qu'est-ce que c'est des niveaux bonus? Peut-être il va nous le dire ça. Voilà la zone. Ah, c'est la zone d'entraînement. D'accord. Apprends à manier les gadgets dont tu disposes déjà. Tu peux t'y entraîner si tu as oublié comment te servir d'un gadget. Eh bien, c'est gentil. Sauf que pour le moment, il n'y a rien du tout. Je vais quand même aller voir, mais ça m'étonnerait. Évidemment. Allez, allez, on va aller de l'autre côté. Pourquoi il y a un symbole de carte mémoire? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Pourquoi j'ai entendu du bruit? Ah mais c'est là plutôt, non. Ah non, ça c'est la carte mémoire. Oh là, ça y est, je commence déjà à avoir des problèmes de mémoire. Ouh, vive l'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà le coin jeu. Ah oui, pour jouer à un mini-jeu, ramasse les pièces de Spectre. Oh oui, je m'en souvenais. C'est bien Spectre. Oh là là. Bah, Alzheimer, mais pas pour tout apparemment. Ramasse les pièces de Spectre cachées dans les niveaux. Qu'est-ce que ça me rapporte ça? Une fois que tu as ramassé le nombre de pièces indiquées sur le moniteur, tu peux jouer à ce mini-jeu. Ah, mais d'accord. Tu peux vérifier le nombre de pièces que tu as ramassées sur rond l'écran d'état sur le menu. Quoi? Que tu as ramassé sur rond l'écran d'état menu sur le menu. Start. Rien pigé. Ah si, ça y est. D'accord. Ouah, faut suivre. Ouf. Taux de succès 1. Première sauvegarde, 8%. Putain, ça, je comprends pas ça. Enfin, bon. Ouais, en tout cas, les têtes, là, elles me disent quelque chose. Ah, ouais. Ah, là, ça me dit vraiment quelque chose. Gadget. Assomme, ennemi et singe, fais tournoyer le bâton. Une attaque. Ah, tournoyer, tiens. Je sais plus comment on fait ça. On verra. Tu ne peux pas capturer de singe sans ton filet. Ne t'en sépare pas. Mais je crois pas qu'on puisse, de toute manière. Options. Tiens, on va voir ce qu'il y a dans les options. Vibration, oui. Son, bah, stéréo. Musique. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Il fait son. Bah, parfait. Ok. Tant mieux. Tout va bien. On peut faire retour. On voit que j'ai 4 vies symbolisées par un t-shirt en bas à gauche. Ma barre de vie en haut à gauche qui est symbolisée par 5 cookies. Et puis, voilà. Oui, je voulais essayer de le faire tournoyer. Ah oui. Non, mais non, je voulais pas te toucher, toi. Est-ce que je peux le faire tournoyer? Ouais, je peux tous les faire tournoyer. En fait, je fais un coup. Voilà, et je laisse la direction enclenchée et je tourne avec le joystick. D'où le fait que le jeu, ça c'est qu'un détail, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles le jeu est obligatoire avec des analogues. Et oui, les enfants, pour les enfants, hein, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, avant la toute première manette de PlayStation, eh ben il n'y avait pas d'analogue, elle était bizarroïde, voilà. C'est vrai que revoir à l'heure actuelle une manette DualShock, enfin je sais pas si c'était une DualShock, bah non, c'était pas une DualShock justement, je crois. Sans ces analogues, bah, ça fait un choc justement. Elle était facile celle-là. Enfin bref,
Bon, on a fait le tour, non? Ouais, on a fait le tour. Allez. Est-ce qu'on peut revenir dans les niveaux? Il me semble que oui, hein. Parce qu'il doit y avoir des trucs que j'ai pas dû ramasser. Ah ouais. Terminé. Je vais quand même y retourner, vous savez quoi? Retour vers station, entrée dans le niveau. Bon, on va y retourner, de toute façon, ça coûte rien. J'adore cette musique. Enfin, ce son, cette mélodie, plutôt. Ce niveau est terminé. Ah ouais, pourquoi tu dis qu'il me manque une pièce et un singe sur 4? Ah, que j'en ai 3 sur 4 et qu'il m'en manque donc un. À mon avis, il n'est pas terminé à 100% ton niveau. Hein. Voilà, alors, ah, mais... Ouais, tout ça, je pourrais l'avoir, mais seulement dès que j'aurai les gadgets. Est-ce que je peux les capturer, ces machins? Aïe, putain, mais... J'ai l'impression que... Ah ouais, putain. Ah mais oui, il est là-haut, l'autre singe. Ouais, j'ai l'impression qu'il nous touche vachement avant qu'on les atteigne, quoi. Ouais, bon... Toutes les choses que je n'ai pas. Alors à quoi ça me sert déjà ces machins? Je sais même plus. Enfin bref. Ouais, il manque des gadgets. Notamment des gadgets qui vont me permettre d'aller plus haut, de planer, de... Je pense à certains encore. Dû à mes souvenirs. Et pourquoi la caméra elle se met comme ça? Ah oui, allez. Les jeux PS1, les fameux problèmes de caméra. Alors, change tes gadgets avec les touches machin, passe au filet temporel et capture les singes. Exact. Pousse ou tourne le joystick droit pour lancer le filet temporel. Tu peux même... D'accord. Ça, j'étais au courant. Ouais. Et ça, je sais pas si je l'avais lu. Les biscuits ronds en haut à gauche indiquent ta santé. Quand tu n'as plus de biscuits, ta mission prend fin. Et oui. Par contre, je sais... Non, je suis complètement con. J'allais dire, je sais pas ce qui se passe quand t'as un game over. Est-ce que tu recommences le jeu depuis le début ou pas? Mais il y a des sauvegardes, c'est fait pour ça, mon coco. Bon, ben, qu'est-ce que je fais, là? Je peux pas... Si, je peux quitter. Ben voilà, je quitte. Très futuristique comme jeu. J'aime beaucoup ça, cet aspect futuristique. Autant au niveau des musiques que de tout. Ben, les gadgets, les bruitages. C'est vachement bien fait, en tout cas. Air préhistorique, lac pluvieux. Allez, bah c'est parti. Bon, je sais pas. Ah. Un nouveau gadget est prêt. Ah, moi je me souviens d'un gadget, il était bleu. Filet sous-marin qui se lance une fois dans l'eau. Je te les envoie. Et scellez dans ta zone d'entraînement. Finis cette phase, sinon tu ne pourras pas passer au niveau suivant. Bonne chance. D'accord, là, je crois qu'il va me mettre directement dans le niveau d'entraînement, à mon avis. Donc c'est un filet qu'on peut utiliser directement sous l'eau pour les singes qui nagent, quoi. Enfin, il me semble qu'il y en a, hein. Voilà, c'était ces genres de salles dont je parlais. Bon, bah, ça fait pas très portal, je sais, mais il y a cet aspect un peu renfermé et cubique, un peu, de la chose. Là, derrière moi, il n'y a rien. Là, qu'est-ce qu'il m'indique? Le filet apparaît quand tu es dans l'eau pour nager. Utilise le joystick gauche. Alors, joystick, d'accord, ok. Pour sortir de l'eau, saute près de la surface. Ouais. Pour sauter, appuie sur R1, je le savais. Pour accélérer, appuie sur R1. Ça, c'est bien que ce soit la même touche. Je pense hein, que ce soit bien pour tout ce qui est du maniement dans l'eau. C'est parce que quand vous allez accélérer vers le haut, eh ben, il va directement sauter hors de l'eau une fois qu'il aura atteint la surface. Et ça, c'est un élément de gameplay que j'aime bien dans ces genres de jeux. Alors, lorsque tu nages ou refais surface... Ouais, d'accord, c'était la suite de la phrase. Plus vite tu nageras, plus vite tu gagneras. Plus vite tu nageras, plus vite tu gagneras. Comment ça? Il y a un temps? Il n'y a pas de temps. Ouh là là, alors c'est assez... Et comment... Attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Pour aller sous l'eau. Alors, mais, ok. Il y a une touche que j'ai oubliée, non? Pour aller encore plus sous l'eau, comment tu fais? Mais il monte tout seul en fait. Et comment on l'utilise le filet? Putain, mais j'ai rien écouté. J'ai rien suivi. Le panneau sur la gauche te montre comment tu peux utiliser les joysticks gauche et droit comme des touches. Pour plonger sous l'eau. Ah! Incline le joystick gauche.
Ouais, arrête de pousser le joystick gauche pour remonter à la surface et reprendre ton souffle. Appuie donc sur le joystick pour plonger, pousse-le vers l'avant pour avancer, nage le long du passage sous la cascade. D'accord. Ok. C'est parti. Donc là, si j'appuie, il va sous l'eau. Effectivement. Et là... Ok. Alors, ah oui. Alors, pour remonter, putain... Ah oui, il remonte tout seul. Alors ça, c'est vraiment un truc chiant, je trouve. C'est-à-dire que, ben... Ouais. T'as pas de direction pour remonter, quoi. Tu dois... Ouais. Tu dois simplement éviter de... Actionner une direction. Alors, utilise le joystick droit pour lancer... Ah, d'accord. Le filet. Serre-temps pour capturer les singes dans l'eau. Il y a un singe dans la piscine. Capture-le en poussant le joystick droit. Et la sortie s'ouvrira. Alors là, je pense que pour viser les singes dans l'eau avec cette méthode de nage, niveau de maniabilité, ça va pas être de la tarte. Alors, là, je vais aller sous l'eau. Pourquoi tu vas pas? Ah, si, ça y est. Tac, j'essaie de me mettre en face. J'attends qu'il remonte. Non. Tac. Ok. Oh, ça va. J'ai l'impression que on est un petit peu aidé niveau précision. C'est pas mal. Ok, bah ça remonte un petit peu les souvenirs. C'est pas mal. Voilà la sortie. Tu as réussi. N'oublie pas que tu peux nager vite en appuyant sur R1. Quand tu es dans l'eau, tu peux utiliser le filet quand tu veux. Amuse-toi bien. Bah heureusement. Voilà la sortie. Tu as réussi. N'oublie pas que tu peux nager. Mais c'est bon, tu me l'as dit. Voilà. Ah non, mais moi ça me fait super plaisir, franchement, de rejouer à ce jeu. C'est... Le gameplay, voilà, il reste toujours aussi agréable. Capture 4 singes. Sur les 6, bien sûr, donc c'est pour... c'est bien évidemment parce qu'après, il faudra y retourner lorsqu'on aura les gadgets requis. Avec les musiques aussi. Oh là là. Cette musique-là. Je vais mettre un petit peu plus fort. Tac. Un peu plus fort, allez, soyons fous. Même si je m'entends plus parler. Voilà, comme ça on apprécie la musique et le bruit de la pluie bien fait. Bah écoutez, je vais me taire un petit peu là, histoire de découvrir un petit peu le niveau, et je vous laisse apprécier la musique. En fait, on pouvait grimper. C'est-à-dire que dans le premier niveau, je pouvais grimper pour récupérer la pièce de Spectre. Par contre, là, je suis en train de remarquer un truc au niveau de la musique, c'est qu'il y a un loop hyper rapide. Et ça fait toujours pareil, en fait. Elle est jolie, mais un petit peu répétitive. Hein. Je vais baisser un peu. Moi, tout ce qui... Alors, je sais que je peux paraître chiant, mais alors, tout ce qui est répétitif, moi, je... J'arrive pas à supporter. La nuit, j'arrive pas à dormir s'il y a un bruit répétitif. Hein. Vous mettez un tic-tac de réveil. À 4h du matin, je suis encore éveillé. Bon, c'est pas tout ça, mais... Ouais, alors ça veut dire qu'en fait, on pouvait grimper. Donc, je retournerai dans le premier niveau prendre la pièce de Spectre. Hein. Alors, à quoi ça peut me servir si je monte là-dessus? Peut-être à faire un petit tour d'horizon. Ouais, bon, je sais pas trop. Ouais, je me souviens quand j'étais petit, ce genre de niveau... Un petit peu lugubre. C'est pas que j'aimais pas trop, mais j'aimais bien les finir rapidement, quoi, parce que ça me mettait mal à l'aise. Tac, ah oui, il faut gérer entre... Putain! Ah, il faut gérer. Mais je peux t'avoir comme ça, non? Alors, on va essayer de la... Appuie sur la touche L2 pour que la caméra soit mobile. Oui, pour regarder autour de toi, serre-toi du joystick gauche, je sais. Appuie de nouveau sur L2, oui, pour retourner la caméra normale. Bientôt, je te parlerai de la caméra arrière. Si tu appuies sur la touche L1, la caméra, je sais, certain pour faire tourner la caméra rapidement. Oui, d'accord. Je vais essayer de l'attraper comme ça, sans la voir. On va voir si c'est possible. Ouf. Il y en a qui m'attaquent là. Putain. Eh tiens. Eh bah ben, voilà, c'est possible. Alors vous, par contre, je vais vous laminer parce que vous êtes pas très très gentil. Dis donc, c'est lui qui a donné tout ça là. On va voir.
Ouais, non, à mon avis, il devait y en a déjà y en avoir sur le. Allez, tire, voilà. Les herbes, je peux rien déraciner, non? On sait jamais. Alors toi, cache-toi en poussant le joystick. Cache-toi en poussant le joystick gauche. Ainsi, tu peux t'approcher des singes en rampant. Ah oui. Tu peux lancer le filet temporel avec. Ouais, quand tu es caché. Faufile-toi jusqu'au singe pour le prendre. Par surprise. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, d'accord, il se cache. Et comment elle m'a dit? Je peux le lancer? Je peux pas lancer le filet si j'appuie. Attends. Un truc que je capte pas. Ok. Attends. Il y a un truc que j'ai pas capté là. Parce qu'elle a dit. Tu peux lancer le filet temporel en appuyant sur quel joystick? Le gauche, le droit? Bah, je pense le droit, mais j'ai essayé, ça marche pas quand tu es caché. Bon. Écoute. Il est comme ça, et puis, ben, pour l'attraper, je ferai ça. Mais quoi, il m'a vu? Il est parti? Non. Et mercredi. Bref. On va monter aux arbres. On va faire nos singes, du coup. Pour voir un petit peu s'il n'y a pas des choses que je pourrais récupérer d'intéressant. Et apparemment non, donc je crois qu'il va falloir se mouiller, les gars. Allez, viens là, toi. Viens là, mon petit. Viens là. Oh, je l'ai eu. Jamais cru. J'ai cru que je m'étais capturé moi-même, dis donc. Alors. Alors, le maniement, va falloir que je m'y fasse, là. Ouf. Remonte à la surface, toi, sinon tu vas te noyer. Ah, je vois peut-être un petit désavantage au fait d'avoir la touche de saut sur la touche d'accélération. C'est que... Ah non, non, c'est bon. Il saute pas. J'ai cru que là, il allait sauter, mais non, non. Bon, ça va. Voilà, là, par exemple. Et bon, c'est qu'un détail. Allez, remonte. Voilà. Les petits bugs, vous voyez des fois... d'affichage, mais bon, c'est un petit peu normal. Attendez, c'était quand même les prémices de la 3D du PS1, c'est normal. Et c'était très bien fait, hein. Je dis les prémices, il y a eu quand même la 64, une Nintendo 64 au début, avant celle-ci qui faisait de la 3D, mais je dirais jamais aussi bien que la PS. Et voilà. Bon, ça va, c'est tranquille. Bizarrement, je me souvenais de... Merde. Non, je me souvenais pas de merde. Je me souvenais de niveaux comme ça. Enfin, de ce niveau d'ailleurs, et qui me semblait un petit peu ardu. Et finalement, je pense que c'était simplement l'appréhension de quand on est petit. Est-ce qu'on peut se suicider? Non, ça c'est bon. C'est un bon point. On va récupérer ça. Alors ça, je sais vraiment plus à quoi ça sert, ça. Est-ce que... Ah, peut-être, c'est simplement quand on en a 100, on a une vie. Peut-être. Ah merde, j'aurais peut-être dû m'en servir pour monter. Oh, je peux monter par là, non? Oh, il peut faire un saut mural. Putain, je m'en souvenais plus, ça, dis donc. Eh ben, ça y est, je les ai eu, les 4, là. Qu'il me fallait. Eh ben, ouais. Pouah, c'est fastiche. Bon, avec les coupures et tout, je sais pas trop où on en est, mais je dirais une quarantaine de minutes. Donc on a encore une vingtaine de minutes devant nous, c'est bien ça. Allez, qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Je sais même pas comment tu t'appelles. Pas mal. Merci. Allez. Alors on enchaîne par quoi, là? Allez, je vais retourner dans le premier niveau, tiens. C'est un bon jeu, simple. Enfin, simple. Si, il est simple dans son... Simple à manier, simple à faire, simple à jouer, mais tellement innovant en fait. C'est ça le... Innovant tout en étant simple d'accès. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et ça, c'est merveilleux. Et il mérite bien son succès. Même si on n'en parle pas assez à mon goût. Ou on n'en a pas parlé assez à mon goût. Même si, bon, j'étais jeune, je suivais pas énormément l'actualité des jeux vidéo. Donc peut-être que vous allez me contredire en disant que si, effectivement... On en entendait bel et bien parler.
Allez, on va récupérer un petit peu tout ça. Faudrait que je vois si ça me donne bel et bien une vie. Lorsque j'en aurai 100. Et attention. Qui y va là? Allez. Yes, putain, qu'est-ce qu'il a la classe. Je me souviens quand j'étais petit aussi, bah, avec les mêmes personnes avec qui j'avais fait le jeu. Alors, vous savez, quand on est petit, on s'invente plein d'histoires. Et on s'inventait des histoires. Eux, c'était les héros, je crois. Et puis moi, je faisais le grand méchant, je faisais Spectre. C'était des trop bons souvenirs. Ah là là. Quand on est petit, on a tellement des jeux comme ça, innocents. On s'imagine plein de trucs. Et c'était bien, franchement. Tu vis plein d'aventures quand t'es petit. Avec Prince de Lune. Non, j'arrête. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, franchement, je regrette presque cette naïveté qu'on a quand on est petit, où on peut s'amuser avec n'importe quoi, qu'on pense pas aux problèmes de la vie de tous les jours, et tout ça, c'est... Et là, ça sauvegarde, alors. Là, ça sauvegarde. C'est-à-dire que si je quitte le niveau, c'est bon, j'ai tout d'acquis. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est cette petite naïveté qu'on a quand on est petit qui fait qu'on profite pleinement. Ok, donc là, ça me montre que j'ai bel et bien eu la... Ouais. La pièce. D'accord, et bah là... Là, j'ai pas assez fouillé le niveau, mais... Je me demande si finalement... Voilà, j'ai refait le 1, mais... On va pas se faire chier, vous savez quoi. On refera le niveau et on le fouillera de fond en comble dès lors que... On aura les gadgets pour avoir les prochains singes. On va faire ça. Ouais, alors on va faire le jeu d'une traite, comme ça ce sera déjà pas mal. On va pas passer notre temps à refaire les niveaux. On aura tout le temps de le faire plus tard. Profitons donc. Alors je sais plus si c'est des zones, si c'est des... Ou si ça va être toujours un enchaînement de niveaux comme ça, mais il me semble qu'il y a des zones. Je parle de zones, c'est-à-dire que ben c'est... Là, on est par exemple époque préhistorique, et puis après on va évoluer vers d'autres niveaux avec d'autres décors, etc. Oh putain, mais ça aussi, je m'en souviens. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'en souviens, mais énormément même. Mais ça, je pensais que c'était un niveau qui était bien loin. Putain, comme quoi, quand on est petit, on voit tout en grand. Ça c'est incroyable. Et c'est là où je commence à avoir peur et je me dis, mais finalement, le jeu, il est si long que ça, en fait. Je suis en train de me poser des questions, enfin bon. Tant pis, on verra bien. Tu es entouré par une falaise abrupte. Si tu tombes, c'en est fini. Qu'est-ce qu'il utilise comme expression, le vieux? Il dit... Ouais, je sais pas, mais ils aiment bien utiliser les apostrophes en. Là. Si tu tombes, c'en est fini de toi. Alors fais attention, je sais même pas si c'est français. Mais si. Ah bon, les touches directionnelles. J'ai même pas lu ce qu'elle a dit en fait finalement, mais bon, c'est pas grave. Les touches directionnelles ou la touche L2 permettent de faire. Mais ça, c'est des trucs qu'elle a déjà dit, non? Ouais, d'accord, ok. Bon, y a pas grand chose là. Sous l'eau, je vois pas. Non. Je pense qu'on doit être emporté par le courant. Je sais pas, mais j'ai pas envie d'essayer en fait, pour tout vous dire. Ok, bon, bah c'est parti. Bah, c'est vrai que quand j'étais petit, encore une fois, je voyais les niveaux hyper grands. Alors que là, avec du recul et avec de l'âge, je me rends compte qu'en fait, ils sont quand même bien linéaires. Même si, quand même, je veux dire, comme l'autre niveau de tout à l'heure, le précédent, on peut aller à plein d'endroits. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, on voit beaucoup, avec le recul que j'ai, les limitations en fait des niveaux. Attends, il n'y a pas de truc là-bas. On voit bien les limitations en fait des niveaux quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Les triangles dispersés un peu partout sont des puces à énergie. Si tu en ramasses 100, tu vivras plus longtemps. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est un mini-jeu, c'est quoi? C'est l'autre bout de la map? Ok, je suis enfermé. Non? Ah si, donc ça c'est pour revenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette porte bloque le passage. Comment s'ouvre-t-elle? Pour ouvrir la grille, tu dois trouver l'interrupteur rouge. La touche L2 permet de faire une panoramique avec la caméra. C'est bon, vous arrêtez pas de le dire. Joystick gauche fait tourner la caméra.
Mais pourquoi tu me dis ça? Pour enclencher l'interrupteur, tu auras besoin d'un gadget pouvant atteindre les objets à distance. Te l'ai-je déjà donné? Eh ben non. D'accord, donc c'est l'interrupteur rouge. Ok, ok. D'ailleurs, je me souviens même plus du gadget. Je sais même plus ce que c'est, ce gadget. En tout cas, je sais que je m'en souviens d'un. C'est, je crois que c'est une croix bleue. Et je sais que j'adorais. C'est celle qui permettait de planer. Et on pouvait faire d'autres trucs, il me semble, avec. Et je l'adorais. Je l'adorais. Ouais, bon. Bon, on va aller. Est-ce que je peux faire un double saut? Ah ouais, je peux faire un double saut. Je me souvenais plus de ça. Ça, c'est des choses intéressantes qui sont pas mentionnées, il me semble. Hein. Bien. Oh, attendez, je vais d'abord les tuer, eux. Parce que sinon, ils vont faire yesh. Tiens. Ah, c'est trop plaisant. En plus, le ch'tu, là, j'adore. Le doublage français est bon. Hein. Pour l'époque, en plus, c'est... Ouais. Ça reste un jeu assez enfantin, mais voilà, qui a pas pris de rythme pour moi, qui est toujours aussi fun à faire. Ça, y a pas de doute. Bon, je vais peut-être avoir... Alors, ils sont à mon niveau ou pas, là? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a contre le mur? Ah non, c'est... Ah oui, c'est un dessin de Spectre. Putain, il a trop la classe. Est-ce que... Ah ouais. Est-ce que si... Ah merde, mais oh! Du calme. Putain! En fait, je voulais voir s'il retombait... Oh bah... Merde, j'aurais pas eu mon biscuit. Ah oui, là, c'est vrai que je peux pas monter, là. Ah oui, mais... Ouais. Je m'en souvenais, mais au final, fallait juste aller sur le côté. Là, je me souviens des œufs aussi. Ah oui, il y a une pièce. Eh, ça y est, j'en ai eu 100, donc j'ai eu une vie. Voilà, c'est bien ça. J'essaie d'avoir la pièce. J'essaie de pas me croûter. Hop. Parce qu'en plus... Ah ouais, on peut pas se diriger. Ah ouais, donc faut pas que je... pas que je glisse dans la mauvaise direction. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se mettre là, on va incliner la caméra, on va se mettre bien en face. Ah mais en fait faut sauter. J'ai cru qu'il était au bord. Tac, on saute. Ah merde, putain, j'ai appuyé sur croix pour sauter. Mais c'est pas croix, c'est R1. Faut que je m'y fasse. Allez, c'est reparti. On se met bien en face. Et on saute avec R1. Oh là là, il était encore plus en face. À la perspective. C'était pas ça non plus. Hop. Donc en fait, je crois que carrément, je peux faire ça. Non? Ah bah non, bien sûr. Bien sûr. Allez, on remonte. On se recadre. Et on reglisse, et on saute, et on l'obtient enfin. Allez hop, alors lui, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Lui péter ses œufs, non? Il va y avoir un mini-boss peut-être. Wow, il est pas content. Ah oui, il y a des singes dessous, et ah oui, il est là le singe. Sors de ta cachette, toi. Tac. Oh putain, putain, il va m'attaquer. Sors de là. Merde. Oh, ah oui, il attaque. Il a attaqué. Ah, j'ai complètement zappé, ça n'empêche. Y'a rien d'autre dessous, sous les autres. Ah, c'est bon, je sais, je t'énerve. Mais y'a rien d'autre après, là. Ah si, là, ça continue. Ouais, je vais pas l'attaquer, lui. Je voulais essayer, mais finalement, non. Alors. Ah ouais, cette musique aussi. Ah bah, ça, c'est une musique de boss, il me semble. Ah non, ah ouais, si, il va y avoir le gros tyrannosaure. Putain, mais ça aussi, je pensais que c'était beaucoup plus loin. Comme quoi. Le tyrannosaure, j'irai voir les pourcentages. Après, j'irai sauvegarder et puis j'irai voir les pourcentages parce que... Tyrannosaure est très agressif et tes armes sont inoffensives contre lui. Touche-le et cours vers les roches. Ah oui, d'accord, quand le tyrannosaure te poursuit, écarte-toi. S'il cogne sa tête assez fort, le tyrannosaure risque de laisser tomber ce singe. Ce singe, on sait pas lequel, mais c'est pas grave. Pourriez avoir un espèce de travelling avec la caméra qui nous montre le singe, mais bon, c'était trop demandé pour l'époque. Alors le tyrannosaure est très... Mais oui, je viens de le lire. Bon. On va faire ça. Est-ce qu'il y a, t'es pas content? Ouais, d'accord, il le fait tout seul en fait. Youhou, je suis là.
Alors, il m'a dit, je peux... Oh putain. Vite, voilà. Oh, ça va, c'est facile en fait. Il est un petit peu con. You, coucou, je suis là. Oh, ça va, il me voit de derrière en plus. Parfait ça. Ah, il s'est pas cogné pour une fois. Ah si, ça y est. Bon, tu le fais tomber ton singe là parce que... You. Rex. Eh oh, je suis là. Ça y est, il est tombé. Vite, vite avant qu'il se réveille. Tiens. Voilà. Ouais. Putain, il me fonce dessus ou quoi? Non, c'est bon. Et le dernier, il est par là-bas. Bon, alors avant, on va récupérer ces machins. Hein. Oh putain. Oh, 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 oh. Ça va, je gère. Il me fonce dessus là, non? Ah, il y en a là-bas. Tac. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre aux alentours? Oh putain, oui, à lui. Vite, caméra. Voilà. Vite, 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 vite. Yes. Bon, à part ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre. On va pouvoir aller terminer le niveau. Tiens, ta gueule. Ah, merde. Ah, ça, pour le moment, c'est simple. Mais en même temps, c'est le premier niveau, donc normal. Mais je sais qu'après, ça se complique, hein. Ah, j'espère. Je sais que j'avais eu du mal, hein. Attendez, pour qu'on y passe jusqu'à 7h du matin, je veux bien qu'on ait avec 12 ans, mais... quand même. Pas mal. Pas mal. Tu es trop une fille prévisible. On arrête les conneries et on va aller sauvegarder. C'était les pourcentages de la zone qu'on voyait tout à l'heure. Enfin bref, on va voir ça. Allez, monte. Tac. Ah. Bon, c'est bon, bonne nouvelle, mon son n'a pas coupé depuis. Enfin, j'espère pas dire ça et qu'après il va se couper, ce serait con. Sauvegarder. Vérification, et oui, c'était long avant. Et oui, avant, fallait mettre des cartes mémoire dans les slots. Il fallait pas retirer la memory card. 0%? Quoi? Je comprends plus rien en fait là. 6. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça signifie ça? Allez gros, je veux voir là. 6.0%. Est-ce que ça veut dire 60? Pour tout vous dire, ben j'en sais rien. ouais, je sais pas. Bon, je vais voir si le chargé il marche. Ouais, non, c'est bon, je regarde pas. Chargé, non, c'est bon, je vais pas. Pour revenir, bascule. Ah, bascule. D'accord. Ok. Ouais, mais bon, ça m'avance pas trop sur les pourcents, mais bon, tant pis. Et comment je fais pour partir? Retour. Voilà. Et là, l'encyclopédie. Oh, je sais pas si on va refaire. Non, on va pas refaire d'autres niveaux. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera peut-être une partie de moins d'une heure. Mais tant pis, c'est au moins pour commencer. Après, je pense que ce sera plus intéressant, plus palpitant, plus fun, plus dur. Mais voilà, là, c'était au moins pour commencer, pour faire les prémices de l'Odyssée, pour vous expliquer un peu tout ça. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu de tout ce que j'avais à vous dire, tout ce que je pensais, que ce jeu, c'est... Ça a pas représenté une énorme période de ma vie, mais vraiment un moment marquant et... que je voulais voir la fin, quoi, parce que franchement je veux bien l'aimer ce Spectre, mais quand même, il y a au bout d'un moment, faut qu'il arrête de ses conneries et qu'on le capture. Voilà, je sais pas du tout comment ça se passe, donc on verra bien. Alors, ah, niveau 2 déjà, mais en fait c'est niveau 2, mais il a rien de, il a aucune barre en plus. Toi, c'est pareil, non? Ah bah, lui, il est niveau 1, il a une barre en plus. Je comprends rien du tout. Ah, bah non. Non, je sais pas. Non, franchement, là, j'arrive pas trop à comprendre leur logique. N'aime pas les dinos. Confus. Ah, c'est bien, ils ont chacun leur nom, chacun leur emplacement, chacun leur fou d'œuf de dino. Sacré équilibriste. D'accord, et là, c'est entre les niveaux.
Un vrai champion aime faire la sieste. A des maux de ventre. C'est marrant ça. Peur des dinosaures. Et ceux-là, on les avait vus. Adore les bananes. Pilote de fusée. Mais bien sûr. Et chef niveau fusée. Bon. Ok. Si vous voulez. Bon, on va re-sauvegarder une fois de plus. Même si j'ai l'impression que ça sert à rien, mais c'est pas grave. Et puis, on va s'arrêter là pour la première fois. Parce que je commence à avoir chaud, je commence à être mal placé. C'est pour ça que je me dis une heure pour une vidéo. C'est ni trop court, ni trop long. Et ça suffit amplement pour surtout un petit jeu comme ça, quoi. Je veux dire, ce serait un RPG, là, une heure, ça sert à rien. Surtout que, puis même, je ferai jamais d'RPG en Odyssée. Moi, je suis quelqu'un qui farme. Là, je suis sur Tales of Xillia en ce moment. Bon, par contre, je sais pas quand est-ce que je vous mettrai ces vidéos de Ape Escape. Je sais même pas du tout. Je sais pas si je les mettrai au fur et à mesure. En fait, à mon avis, je vais attendre d'en avoir un bon stock. Ou carrément de finir le jeu. Et puis, je les mettrai au compte-gouttes. Pas tout à la suite, mais en alternant avec d'autres vidéos. Et puis voilà. Mais voilà, bon, en tout cas, en ce moment même, là, je suis en plein sur Tales of Xillia. Et puis hier, j'ai passé 3 heures à jouer et 3 heures à farmer au même endroit. Ouais. Mais en même temps, les combats, ils sont bien, ils sont intéressants et tout, c'est pas mal. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de Tales of Xillia, on est là pour parler de mon son qui vient de recouper. Mais tant pis, fuck, parce que tu vois, là, pour vous, ça n'a pas coupé, hein, je vous rassure, mais... Enfin, de toute façon, vous l'entendez. Mais c'est pour moi, voilà, il coupe des fois. Je sais pas d'où ça vient, ça, par contre, c'est assez problématique. Enfin, bref, écraser les fichiers, oui. Ah, donc, c'est pour ça que je voulais dire, voilà, que pour... alors, continuer la partie, non. Voilà. Pour ce genre de jeu, ça s'adapte à merveille. Eh bien, allez, sur ce, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. À la prochaine, pour la prochaine partie. Bon, ça, il faudrait que je change. À la prochaine fois, la prochaine partie, c'est moche. Plutôt, rendez-vous pour la prochaine partie de Ape Escape, les amis. Allez, ciao à tous.